Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On commence ce vlog par un petit unboxing. J'ai reçu un colis et c'est un jean et un sac trop beau que j'attendais de recevoir. Enfin, j'ai commandé il y a 2 jours mais j'étais trop contente de recevoir le colis. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'espère que ça va aller, surtout pour le jean. J'ai beaucoup d'attentes. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis allée chez le coiffeur. J'ai fait un peu plus foncé, c'est trop beau je trouve. Ça fait un peu chocolat mais en même temps il y a des reflets un peu cuivrés. Enfin bref, là aujourd'hui je vais à Lille avec Emma pour l'aider pour un projet. Je dois la prendre en photo avec sa copine. Trop cool, du coup on va peut-être aller dans un café. Enfin je sais pas trop, je vais vous filmer ce qu'on va faire. Par contre là pourquoi ça s'ouvre pas là? Je galère. Donc on a le jean. Mais Emma! Mais je veux voir. Et bah assieds-toi là. Bon, Emma est venue voir le jean et enfin ma commande. Oh là là, ça a l'air super petit. C'est quoi cette merde? Bon, la couleur moi j'aimais bien mais il a l'air vachement court hein. Là je sais que ça va pas du tout être un flop. C'est le sac. Déjà regardez la couleur. Oh, j'adore. Il est trop beau. Mais bon, il coûte une blinde, je crois qu'il coûte 80 balles. Donc ouais. Voilà, j'ai pété un peu mon slip quand je l'ai vu. C'est ça qu'on dit, péter mon slip? Non mais c'est pas grave. On est censé partir hein. Ah on part? Bah ouais. Du coup on part, je vous filmerai un peu cette journée, etc. Comment vous pouvez savoir qui était là, il n'y avait pas le petit point rouge. Voilà, je m'en mets dans le bain, hein. Franchement avec la nuit, tu vois, enfin je... C'est la pause de l'après-midi. On est allé à Carrefour acheter des trucs. Enfin, ils sont allés à Carrefour acheter des trucs. On pose ici, on fait un crash test. Alors, crash test. Oui. Quoi? Ah, mais t'as pas goûté ça? Non. Bon, ouais, vas-y, vas-y, c'est bon? Je sais pas si tu vas aimer, ça goûte bon. Ah, c'est chimique de ouf aussi ça. Ah ouais? Tu veux goûter? C'est quoi ça? C'est dégueulasse! Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Tu sais que j'ai fait pas le compte à 3 mais tire le con. Non, c'est pas fou. Hein. Du coup, c'est quoi la note? C'est 0. C'est pas... éclaté au sol. L'arrière, les deux sont éclatés au sol. Bon, on retourne en cours.
les gars, je viens tout juste de rentrer chez moi. Comme vous voyez, Emma m'a acheté des Sony parce qu'elle est allée à Paris. Il restait que la collection de fruits. Bah attends, 30 secondes. Alors, du coup... C'est légumes, hein. C'est la série légumes. Du coup, je vous montre en deux spi, mais je sais pas vraiment lesquels je veux, lesquels je veux pas. Moi, je sais lequel je veux. J'en veux juste un beau qui aille dans ma chambre. Non, moi je le voulais. Et voilà, hop, Amos, j'ai eu le cauliflower en mode le chou-fleur quoi. Et le deuxième, il y a pas de truc, mais je crois que j'ai la pêche. Mais non, il y a pas de truc. Ah merde, non, j'ai un oignon. En vrai, il est mignon. Du coup j'ai eu la pêche finalement parce que je suis trop sympa et que je l'échange. Je la trouve trop mimi la pêche. Je suis contente déjà, j'ai pas eu ceux avec genre un truc sur la tête. Mais donc oui, je suis mais... trop contente. Ah, vas-y, fais ta pub, fais ta pub. Du coup voilà tous les Sony que je vends parce que j'en ai trop et que je les aime pas ce que j'ai. Donc il y en a deux de la série légumes, les radis, l'orange, le serpent et le renne de la série animal 2. Pour que vous voyez un peu sur Vinted, donc c'est Emma Ouzé. Voilà, donc petit unboxing fait. Trop contente. Il y a un cauliflower. Pardon. Trop contente. Je vais vous montrer sa collection, ce que ça donne. Mais c'est un cadeau alors. Regardez, c'est pas trop beau. En plus, ils sont bien colorés, mais pas trop non pas plus. Pas moche, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Mais un de mes bras, c'est trop lui. Ouais, c'est celui que mon papy lui a offert à Noël et celui-là aussi. Bref, voilà. Du coup, là, je vais chez mon copain. Demain, je commence super tôt. Du coup, faut que je me dépêche là de préparer toutes mes affaires. Je pense que je vais pas vous filmer ma journée de demain, sachant que je commence à 5h demain, que je rentre. Il va être 18h à peu près. Et on verra si vendredi, je vous emmène avec moi ou pas. En tout cas, vendredi, je fais une grosse journée. Enfin, je finis à 19h, donc ça va piquer. En plus, c'est de la 3D. Je vous expliquerai en détail, en tout cas, demain peut-être ou après-demain. Ou ce week-end, ce que j'avais à faire en cours. Et bref, je vous laisse. Je me dépêche là parce que mon copain m'attend. On est pas du tout vendredi. On est vraiment samedi. J'ai pas du tout filmé la fin de semaine. J'ai pas du tout filmé mon projet parce que c'était un peu casse-gueule. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais cette semaine j'étais pas dedans. Donc j'ai pas trop filmé. Bon là ça va mieux, je suis un peu malade, ça s'entend à ma voix, je suis vraiment désolée. Enfin je m'excuse, mais non, c'est naturel, donc voilà. Je vais vous parler un petit peu de bah du coup de cette semaine, etc. Je pense que je vous mettrai à l'écran mon projet, en tout cas ce que j'ai réussi à faire. En même temps je vais ouvrir un petit colis. C'est encore des Sony, trop hâte. J'ai attendu toute la journée pour les ouvrir parce que je rangeais ma chambre. J'en ai pris un de la collection fruits et deux de la collection, je sais pas, c'est une collection chelou, enfin je sais pas comment ça s'appelle. On va voir tout ça ensemble, j'ai trop hâte d'ouvrir. Bref, donc cette semaine j'étais en séminaire, en UI design. Du coup c'est l'interface utilisateur, donc on devait faire en gros une application sur ce qu'on voulait, on devait trouver un nouveau concept. Du coup nous avec mon groupe on avait choisi de faire une application de voyage où on pouvait répondre à un quiz, etc. Et en gros l'application nous donnait des destinations, plein de trucs, genre tous les trucs essentiels à savoir quand tu pars en voyage, genre où tu peux aller, etc. en fonction de tes réponses. Du coup on a fait une application, on a pas fait tous les boutons, etc. parce que en 4 jours c'est un peu trop short comme durée. On a fait quand même pas mal de trucs, je vous montrerai à l'écran ce qu'on a fait. En vrai je suis contente, je trouve que on a eu 16 en tout cas pour ce qu'on a fait et je trouve que ça va. On a encore plein de trucs à améliorer, etc. ça c'est sûr. On a tout donné puis on a fait un truc qu'on kiffait, donc ça c'est cool. Donc en fait c'était pas si simple que ça, mais c'était pas si compliqué non plus. Enfin en soi Figma l'application elle est vraiment basique, genre c'est simple, mais c'est juste la façon dont tu vas mettre la disposition, etc. Donc tu vas penser à tout ça, enfin bref on devait faire quand même l'analyse UI UX. Du coup voilà, bref, en parlant des Sony, j'ai pris du coup 3 petites boîtes. J'ai pris 2 boîtes de la collection Home Sweet Home parce que je sais pas, je la trouvais trop mignonne, et une boîte du coup avec les fruits. Je pense qu'on va commencer par la collection fruits. J'ai peur, j'ai pas envie d'avoir un Sony qui est genre vert ou rouge ou je sais pas trop, enfin celui que je veux, ce serait le fruit du dragon. On va voir. Ok, déjà. Ok. Je suis trop chaude. Ah, je suis trop contente. Du coup, j'ai eu le fruit du dragon. C'est celui que je voulais. Donc, je suis trop heureuse. Il est vraiment trop mignon. Regardez. Là, ça fait un peu flipper, je crois. Regardez comment il est trop mignon. J'adore. Maintenant, on va faire cette collection-là. Là, je suis un peu plus exigeante quand même. Je ne veux surtout pas celui-là. Ni celui-là. Et bon, le reste, je pense que ça peut aller. J'ai peur. Ok, j'en ai un debout. Ok, j'ai celui-là. Il est pas mal. Il est mims. Franchement, j'aime bien. Et du coup, le deuxième. Oh non. Pourquoi j'ai deux trucs?
Ah, je crois que j'ai le chat. J'en ai un assis. I don't know. Je sais pas. C'est quoi ça? Oh non. J'ai eu le secret. Il est trop pas beau. Attendez, je vous le montre parce qu'il y a trois pièces. Voilà, j'ai eu celui-là. Franchement, pas ouf. Je vais le revendre sur Vinted ou alors sur le Vinted de ma soeur, je pense. Parce qu'elle, elle est plus active que moi. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur son Vinted ou sur le mien, je sais pas encore. Dans tous les cas, je le mets au prix auquel j'ai acheté parce que bah, je vais pas chipoter, il y a même plus la boîte et tout. Et voilà, trop bien. J'ai ouvert mes petits colis. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce que bah, je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Et comme ça, je peux recommencer un nouveau vlog parce que... Enfin, je sais pas trop en fait. Je sais pas si la semaine prochaine, j'aurai la motivation de filmer une vidéo ou en tout cas de vlogger parce que je suis en entreprise. Comme c'est une semaine que je redoute fortement, je sais pas, je suis déjà stressée et tout, enfin bref, je vous en parlerai quand chose sera faite, mais c'est à propos de mon alternance. Du coup je vais arrêter cette vidéo maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, merci d'être là, de me suivre etc, ça me fait trop plaisir, je dis pas souvent merci d'ailleurs, et ça me fait vraiment trop plaisir, enfin je sais pas quoi dire à chaque fois. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et...